le clip, ça raconte l'histoire d'un, homme qui vit dans une époque non datée, qui en gros essaie de s'échapper par un casque de réalité virtuelle. Il s'échappe dans un monde sauvage, il revient un peu aux sources, aux bases. Ce que je trouve bien en fait dans l'idée de Bertrand, c'est que c'est une métaphore. C'est-à-dire que c'est symbolisé sous une métaphore la quête de quelqu'un, la quête de deux personnes. Et en fait, ça rejoint aussi ce qu'il y a dans la chanson, c'est-à-dire c'est un constat de la manière dont on rentre en contact avec les uns et les autres, la manière dont on se parle, et une proposition. Et en fait, dans le clip, c'est la même chose. C'est peut-être la manière dont on vit avec nous-mêmes, dont on est avec nous-mêmes, et une proposition peut-être pour peut-être vivre mieux. Après, chacun... Moi, je suis toujours dans la part... j'aime bien la métaphore et j'aime bien laisser la place au spectateur, à l'auditeur, de comprendre ce qu'il veut dans la chanson, comme quand il va voir le clip. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de liens, il y a plein de sens, il y a plein de choses qui sont racontées. Parce qu'en fait, c'est marrant, je discutais avec mon équipe justement de tout ce qu'on a fait pendant les trois jours là, du clip. Et en fait, chacun a son interprétation des choses. Du lien entre l'homme qui est dans la nature, de l'homme qui vit dans ce monde complètement aseptisé, urbain, déconnecté de tout, même si c'est connecté avec plein de choses. Et du coup, on n'avait pas du tout le même lien et le même sens par rapport à ce qu'on a filmé. Ça racontait pas les mêmes histoires pour chacun. Et je trouve que c'est important de laisser cette place-là. Et si on parlait d'amour, avec des mots doux qui nous font du bien, quand plus rien ne brille autour, c'est bien le cœur qui nous rend plus humain. Et si on parlait d'amour, là dans les yeux, dans le creux de la main, car si tout ça nous entoure, on n'a pas peur, en tout cas un peu moins. Et si on parlait d'amour. La prépa du clip, on a dû repérer, c'est dans des conditions assez compliquées parce que on n'est pas la meilleure saison, on va tourner en mai. C'est pas forcément la meilleure saison dans les Hautes-Pyrénées, il y avait encore de la neige, donc le repérage au milieu du brouillard, de la neige, c'était assez complexe, et en termes de conditions de tournage, c'était pas évident. Donc on a galéré, mais on a trouvé un super décor. Tout était réuni, toutes les conditions étaient réunies. On a peu de temps pour préparer, donc on a eu quoi, 2-3 semaines maximum. Et c'est une équipe qui est une équipe de cinéma classique légère. C'est une quinzaine de personnes sur le plateau. La prépa, elle est particulière déjà, parce que l'idée c'était de me transformer, de pas jouer dans ce clip-là, moi, en fait, que voilà, c'est ni moi dans la ville, ni moi dans la nature. Il y a deux hommes très très différents, lookés complètement différemment. La création du costume, de la perruque, du maquillage, de la barbe, contribue au personnage de la nature, et l'homme urbain, c'est complètement différent. Moi, pour ma part, j'ai dû un peu faire costumière, styliste, et vous aussi, vous avez dû pousser sur... Non, il y a un gros travail de transformation, surtout de personnages, entre l'homme nature et l'homme urbain, citadin. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de transformation sur Emmanuel, qui était très intéressant d'un point de vue créatif. Dans la nature, c'était assez, assez chaud, parfois. Moi, ça m'a excité tout autant de le faire. Sur le papier, quand j'ai lu le scénario de Bertrand, je me suis dit, ça c'est génial, il y a plein de trucs à faire. Effectivement, après à réaliser, c'est compliqué. Par exemple, le torrent, c'est chouette à voir. Le plan, le décor est magnifique, sauf que l'eau est glaciale et qu'il a fallu qu'on tourne plusieurs fois. Évidemment, on n'arrive pas à le faire en une seule fois. Et du coup, c'était, enfin, nerveusement, c'était un peu difficile. Mais c'était chouette à faire. Après, il a fallu qu'on trouve à chaque fois le moyen d'arriver à ce qu'on veut en image, surtout à que Bertrand puisse capter, en fait, les moments dont il a besoin pour monter après le clip. Mais dans la nature, ouais, j'ai fait plein de choses. Je crois que c'est la première fois dans un clip d'ailleurs que je tourne autant de plans, d'actions différentes, dans autant de décors différents, avec autant de changements physiques. Même si parfois c'était un peu compliqué, on a tourné la première journée, on a dû tourner plus de 12 heures, je pense, non-stop. Et on a terminé, il devait être 5 heures, quoi. Donc ouais, effectivement, on était un peu décalé. C'était un tournage où on était complètement décalé. Mais c'était vraiment très cool. À vivre, c'était vraiment très cool. De lumière un petit peu fiction, même carrément fiction, avec des choix marqués, assumés. La référence qu'on avait du label, c'était The Revenant,
Donc déjà, c'est une sacrée rêve pour moi pour l'extérieur. Et les intérieurs, moi aussi, j'ai une imagerie très clinique en fait. Même pas clinique, mais aseptisée. Ce qui est important pour moi, c'est quand on accepte de faire ce genre de proposition pour un clip, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que là, d'un coup, et j'adore ça, ça me situe pas en tant que chanteur et tout ça, ça me situe aussi en tant qu'acteur du coup, et de créer plutôt un film que clipper une chanson. C'est vrai que la qualité de l'image est vraiment incroyable. Je pensais pas avoir que ça soit autant cinématographique. Tout s'est passé, c'est pas vrai, tout s'est fait des gestes, tout s'est senti, c'est des tours.